Place Saint-Sulpice à Paris. C'est une nouvelle foire, c'est-à-dire qu'à la Place Saint-Sulpice, il y a un marché qui fonctionne pendant 2 mois. Et là, pendant 3 jours, c'est consacré à la photo et au cinéma. On nous a demandé, il y a une dizaine de jours, de participer en tant qu'association et de venir en tant qu'association faire un stand. Donc nous sommes venus présenter les icônes mécanophiles du Limousin. Alors on va rentrer dans le stand, il n'est pas très grand, mais on va arriver à y tenir, vous allez voir. Ce stand a été mis à notre disposition par l'organisation et nous y présentons les déclics qui est la revue de notre association qui paraît tous les trimestres. Sur l'autre partie du stand, là où se trouvent aujourd'hui nos amis, nous avons présenté des photos stéréoscopiques anciennes que nous avons scannées et que nous avons remises avec un logiciel informatique en anaglyphe. Ce qui va nous permettre d'inviter les gens à rentrer sur le stand, de se décorer et de pouvoir admirer le relief. On n'a pas tout amené ici, mais on a des choses. Par exemple, ça date tout à fait du 1890-1900. Il servait à regarder les vues stéréoscopiques ou à servir de loupe pour les vues simples. On le disposait comme ceci et on avait ça dans les salons. On pouvait regarder ici les vues stéréoscopiques que l'on plaçait à l'arrière ou bien alors la loupe servait à regarder les portraits. Ici, nous avons aussi un appareil à peu près de la même époque, un stéréoscope portable. Alors, on avait un pied pour le poser sur une table, effectivement. Et c'est un appareil qui s'appelle un Mexicain. Alors, celui-là est un peu plus récent, celui-là un peu plus ancien. Ça date de 1890, à peu près. Et après, il y a toute une série qui a existé de visionneuses stéréoscopiques en bois, plus ou moins simples, plus ou moins élaborées. Ça, ce sont des appareils qui dataient après 1900. Mais ce style de visionneuse a existé déjà à partir de 1850. Ça, c'est une photo papier qui date des environs 1880, qui a l'intérêt d'avoir été colorisée à l'arrière. Et en plus, pour faire plus vrai, on perçait des petits trous à l'endroit où il y avait les bougies, histoire de faire passer la lumière. Vous avez eu un peu plus tard, vous avez eu ce genre d'appareil, ces appareils de salon, qui étaient appareils avec un éclairage, qui permettait ici de voir des vues, soit 45-107, c'est à deux formats, soit 6-13, et ici avec un réglage de l'écartement des yeux. On pourra voir plus tard quel est l'intérêt d'avoir des visionneuses avec des écartements réglables. Dans les années 45-50, ViewMaster est arrivé sur le marché avec ce premier appareil qui comportait des disques carton. Et donc ça a été la démocratisation complète du relief avec des petits appareils qui permettaient donc de regarder en relief les scènes. Après, vous avez eu des plaques qui étaient donc là sur du film positif couleur. Là, on pouvait avoir donc deux vues qu'on disposait dans ce petit appareil qui s'appelait un Romo. Et on pouvait voir donc simplement deux paires de stéréogrammes. Donc à chaque fois dans un stéréogramme, là on va le voir un peu mieux, on a la vue côté gauche, la vue côté droit, la vue côté gauche, la vue côté droit. On n'a bien que deux fois la même vue. Et là, on a Barcelone en relief avec un petit appareil où on règle simplement la distance avec des deux petites tirettes qui sont là. Et dans cet appareil, on y dispose une vue comme celle-ci. Voilà, alors on va la mettre à l'endroit. Collection de Barcelone. Et c'est édition Groga. Et on les met là. Voilà, et après, on va pouvoir regarder ici, on va regarder comme ceci, et on va faire le réglage. Eh bien, je vous présente Alain Gomet. Alain Gomet, c'est grâce à lui si nous avons pu venir à ce salon. C'est un homme qui fait beaucoup de choses dans la photo et le cinéma. Il va nous dire, lui, pourquoi il est ici aujourd'hui. Alors, pourquoi es-tu là, Alain? Parce que c'est une passion de folie, c'est comme le nom l'indique, nous sommes des cinglés et surtout du cinéma. Voilà, c'est quand même une passion que tu mènes depuis combien de temps, Alain? 40 ans. Ça fait 40 ans que tu mènes ça? Absolument. Et alors tu as principalement de l'affiche, tu as du matériel, comme on va le voir? Je suis, je crois, un des derniers dinosaures en France à faire toutes les disciplines cinématographiques. C'est-à-dire le document papier, la pellicule argentique, le film, quoi. Et le matériel, caméra, projecteur, etc. Donc vous avez même ce qui est antérieur à la naissance du cinéma, en l'occurrence le pré-cinéma, tout ce qui est antérieur, les lanternes magiques.
Quel est le matériel que tu préfères? Si on te disait tu pars avec un appareil, vu qu'il sent à toi, tu n'auras pas de mal. Caméra. Laquelle caméra? J'ai un faible cinématographe lumière, bien sûr. Ah ben, voilà. Maintenant, je vous amène sur un stand qui est le stand de M. Cerisier. Vous allez y voir ici des appareils très anciens et je vais te demander de nous en parler. Eh ben, je vais vous parler d'abord de la période de 1840 à 1964, période où en France on a fabriqué les appareils photo. Il faut dire qu'en France, de 1840 à 1960, il y a eu à peu près en France 80 constructeurs d'appareils photo différents. C'est-à-dire, quand je dis différent, du 9-13 au 18-24, chambre d'atelier. Celle-ci était une chambre d'atelier 1850. C'est une chambre d'aérienne. Et quand on rappelle les débuts de la photographie, c'est 1839. Donc celle-ci aurait 10 ans après la naissance de la photographie. Il ne faut pas oublier que les chambres d'aérienne, on a fabriqué jusqu'en 1890. Voilà, parce que c'était vraiment un instrument pour les photographes de l'époque qui était très robuste. Voilà. Et donc là-dedans, vous avez les appareils d'amateurs et les appareils qui ont servi pour les professionnels, c'est-à-dire ce genre-là. Et là, vous avez l'appareil typique de l'amateur des années 1930, où les départs que dans chaque famille, on est ce genre d'appareil à plaque de verre. Ça, c'est un format 9-13. C'est encore de la chambre à tiroir. Là, c'est la petite qui est ici. Encore des chambres à tiroir. Ah, dis donc. Et tout est en état magnifique, apparemment. Si tu devais prendre un appareil de ton stand et dire c'est mon appareil préféré, lequel prendrais-tu? Aucun. Ils me plaisent tous. Ils te plaisent tous. On va pouvoir admirer une collection monumentale qui sont les tableaux peints de la collection Publidécor, qui sont en réalité les décors pour présenter les films au fronton des grands cinémas. C'est aussi des panneaux qui duraient, c'était l'époque où les films restaient 4, 5, 10 semaines et plus. Ah oui, parce qu'il fallait déjà les peindre quand même. Les peindre et les monter. Alors en plus, là on peut faire un tour de l'histoire du cinéma au travers de panneaux historiques et anciens. Cléopâtre, l'a dit elle. Oui, c'est un métier et c'était la société Publidécor qui, dans ses ateliers, avait des artisans, des peintres en lettres et puis des artistes qui étaient capables de reproduire les documents qu'on leur confiait. C'est un métier qui s'est perdu. Ben, c'est un métier qui s'est perdu. Alors, les ateliers sont toujours en activité parce que, vous faites autre heureusement, chose. Nous fournissons d'autres demandes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la base, il y avait le cinéma et toutes ces toiles qui étaient en location. Parce qu'elle tournait d'un cinéma à un autre. Elle suivait le film. Elle suivait le film, c'est ça, et elles étaient remises aux proportions. Bah, maintenant, nous travaillons pour des grands magasins, pour qui veut de la décoration. De décoration, oui, voilà. On va prendre ce petit chemin de fer, je ne sais pas où il va me conduire. Oh, voilà une belle pièce. Alors, je ne connais pas trop les caméras, mais alors apparemment, là, on a affaire à un grand nom, puisque c'est une André Debris, une Super Parvo Color, et c'était donc Made in France, l'époque où on fabriquait encore du beau matériel. Ok, alors elle arrive. Ok, elle arrive. Non, dans cette même allée, on va voir le stand de Monsieur Cornesloup, qui est aujourd'hui un collectionneur. Vous collectionnez quoi? Tout ce qui concerne un petit peu le cinéma, mais disons, je suis un collectionneur, je suis un vrai cinéphile et aussi un collectionneur, mais surtout un cinéphile. Moi, ce qui m'a attiré dans cette allée aussi, ce sont ces affiches. Parce qu'aujourd'hui, les affiches de Jacques Tati, ce ne sont pas des affiches, ce sont des photos, des photos d'exploitation allemande qui permettaient donc de faire la publicité du film au-devant des cinémas. Donc Maurice, vous avez principalement chez vous des affiches ou des photos d'exploitation? Principalement des photos. Principalement photos d'exploitation ou photos simplement de photos publicitaires. Et vous en avez beaucoup? Vous pouvez vous quantifier, j'en ai
probablement entre 4 et 5 000 peut-être en tout. D'accord. Une image d'un appareil mythique qui est le Leica, qui est l'emblème qu'a choisi aujourd'hui cette boutique, ce magasin. Donc là on est chez Antique Caméra, monsieur Amezal. On va arriver maintenant à un stand qui est tenu par des amis qui ont fait aujourd'hui plusieurs choses. On a un spécialiste de Jules Richard. Jules Richard est un industriel qui était spécialisé dans la fabrication des instruments scientifiques et de mesure. Et ce n'est qu'en 1893-95 qu'il s'est adonné en fait à sa passion de la photographie. Hein. Alors ça s'appelle un taxiphote. Donc ça s'appelle un taxiphote. Je lève le couvert principal, je déverrouille le secret et je fais basculer la platine avant en fait. Voilà. Et je peux avoir accès. Voilà. Donc le magasin contient 25 vues fixes stéréoscopiques au format 45 par 107 mm. Ces vues ont été prises avec un appareil de Jules Richard qui s'appelle le Verascope. Elles ont été donc tirées dans un laboratoire en positif. Et donc elles sont mises dans un bac de 25 vues et chargées dans le taxiphote. Alors ce taxiphote a une particularité, c'est qu'en fait il possède une fonction de ce qu'on appelle le court foyer, qui permet de réduire la longueur du foyer afin de pouvoir bénéficier d'un grossissement de la vue stéréoscopique. Cet élément-là, qui est une lanterne de projection, se fixe derrière l'appareil taxiphote avec un système mécanique qui permet de le maintenir fixement. Et une fois qu'elle est branchée par un transformateur sur le courant de ville, cette lanterne permet de projeter les photographies qui se trouvent dans l'appareil taxiphote sur un mur ou sur un écran. Oui. Alors il faut savoir qu'il est nécessaire de mettre des objectifs particuliers à la place des oculaires du taxiphote et des filtres, l'un vert et l'autre rouge, pour cette projection, et que celui qui visionne la projection sur le mur doit être muni d'une paire de lorgnons bicolores avec un verre vert et un verre rouge. Oui. Alors pourquoi est-ce que tu es présent aujourd'hui sur la foire de Saint-Sulpice? Voilà. Parce que j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Antique Passe-Vue, dont le but est la préservation et la conservation du patrimoine des appareils consistant au visionnement et à la projection des vues fixes et non pas des vues animées. Donc on a fondé avec Guy Vier une association il n'y a pas très longtemps pour, comme il le dit, défendre l'image fixe. Et notre intérêt va de la lanterne magique jusqu'au diapo des années 50-60. Donc on développe autour de ça un site internet qui est un site de vulgarisation sur tous ces appareils-là, que ce soit l'appareil, que ce soit les images ou que ce soit l'usage. Il est venu de Turin pour présenter ses affiches. Il était en train de faire un petit somme là-bas dans le coin. Regarde-le, le sourire de l'Italien. Venu à Paris pour dormir. Alors c'est Erika qui a organisé tout ce salon, ma foi, avec beaucoup de perfection. On est bien à l'abri, c'est bien gardé, on peut laisser nos appareils. Est-ce que tu es satisfaite de la venue des visiteurs pour cette première? Pour une première, c'est gentil. C'est gentil. Nous n'avons pas été aidés par le temps, mais je pense que ce salon va avoir un vif succès pour l'année prochaine.